Russell a élargi ses compétences en travaillant avec Hamilton. Tout d'abord, je me sens tellement chanceux d'être coéquipier de Lewis car ça m'a donné une bonne opportunité de voir ses forces et où je peux apprendre de lui. Il est définitivement très fort dans certains domaines. Il est toujours très fort dans les virages à basse vitesse et au freinage. Il a toujours été très fort et cela a été intéressant à voir son approche face à certains problèmes et de voir comment il s'y prend. Bien qu'il soit à un niveau similaire à celui d'Hamilton depuis le début de saison, Russell ne veut pas réfléchir à savoir s'il est plus rapide ou non que son compatriote. Il ne fait aucun doute que j'ai probablement élargi cette enveloppe de compétences de pilotage en étant son coéquipier. Il n'y a pas vraiment de moyen de mesurer si vous êtes un meilleur pilote ou non. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Et oui, il se nourrit de Lewis Hamilton, George, pour le supplanter. Ensuite, peut-être. Peut-être dès cette saison, il va peut-être finir devant. Après, bon, il faudra voir. Hein. Si c'est le cas, on pourra dire qu'il a eu pas mal de réussite hein, cette saison, le Norris. Le Russell. Et qu'Hamilton, bon, bah. Pour une fois, a pas eu trop de réussite, c'est vrai. Ça dure depuis Abu Dhabi 2021, le manque de réussite pour Lewis. Même si ça va, hein, sa saison n'est pas achetée non plus. Donc Russell, voilà. Bah, en tout cas, il est solide, hein, ce pilote. Ils ont bien fait de le prendre à la place de Bottas. Hein. Allez, je vous laisse commenter, ciao.